في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. إذا كنت في السنة الأولى بكالوريا، سواء كنت علوم أو آداب، القناة دائما في خدمتكم وغتساعدكم حتى تدوزوا الجهوي إن شاء الله بسلام. حصة اليوم إن شاء الله السؤال آخر امتحان متعلق بلا بواطا ميرفاي شابيتر 12، و بيان سور آخر الصفحات الأخيرة ديال لا بواطا ميرفاي. لكن قبل ما نبداو هذا التصحيح، نبغي نحيي واحد المجموعة ديال التلاميذ ديال ثانوية الخوارزمي التقنية بسوق السبت اللي بداو تيتبعوا القناة، و بنفس المناسبة نحيي جميع التلاميذ ديال مجموعة ديال الثانويات اللي اكتشفوا القناة وعجباتهم ومتبعين معنا دائما. إذا على بركة الله غادي نبداو الحصة. الحصة كما قلت متعلقة بالتصحيح ديال ليكزام ريجونال دو تافيلات 2021. Bien sûr, le texte extrait de La boîte à merveilles, Jafle Kharger. Les voisines faisaient à haute voix des vœux. Alors, les vœux, Huma, l'omniyat, donc des vœux. J'aime le verbe vouloir, Moutiamenayat, pour que notre bonheur soit durable et notre santé prospère. Prospère, yani mozdahir. Des yoyo éclatèrent sur la terrasse. Les yoyo éclatèrent sur la terrasse. La terrasse wasta. Des femmes venues des maisons mitoyennes manifestaient ainsi bruyamment la part qu'elles prenaient à notre joie. Ma mère ne cessait de remercier les unes et les autres. Driss Laoued arriva de son atelier. L'atelier wa al-washa. Lahqach huwa khdam comme fabricant de charrues et de l'omhat. Sa femme le mit au courant du retour de mon père. Il appela. Madame Afslav, nous sommes très heureux de te voir de retour parmi les tiens. Driss, le fabricant de charrues, avait le même âge que mon père. Tous les deux frisaient la quarantaine. Ils se connaissaient depuis longtemps et s'estimaient beaucoup. S'estimaient, yani se respectaient. Dislawad monta chez nous. Les deux hommes, après les salutations d'usage, discutèrent familièrement. Ils parlèrent de la qualité des récoltes, des prix des denrées, des amis communs. Driss dit à mon père, tu viens d'arriver et peut-être même les gens de ta maison ne le savent-ils pas encore. Le divorce, alors talak, le divorce entre Moulelavi et la fille du coiffeur a été prononcé hier devant notaire. Le notaire wa al-muwattiq wa al-udul. Louange à Dieu, Moulelavi va pouvoir retrouver la tranquillité de l'âme, la paix des hommes bénis. Je savais que la folie de Moulelavi serait passagère. N'est-ce pas folie de vouloir conduire plusieurs attelages à la fois? Il est déjà si difficile de s'entendre avec une seule femme, de vivre en harmonie avec les enfants de sa chair. Moulelavi a goûté aux fruits amers de l'expérience. Le voici de nouveau parmi les hommes normaux. Il convient d'en louer le Seigneur. Ma mère m'appela à voix basse. Sidi Mohamed, viens chercher le plateau. J'allais la retrouver à la cuisine. Le plateau pesait lourd, tril, à mes bras d'enfant. Je m'acquittais de cette fonction avec un certain orgueil. Alors l'orgueil ou le kibrière. Mon père versa le thé.
Et on commence les questions de l'étude de texte. Alors, première question, recopier et compléter le tableau suivant. Donc, il y a toujours un tableau dans la première question. Très souvent, il y a un tableau. Alors, dans l'auteur, bien sûr, vous le connaissez, c'est Ahmed Sfariwi. Alors, le titre, bien sûr, c'est La boîte à merveilles. C'est connu. Alors, vous avez le genre, tout le monde le sait, c'est un roman autobiographique. Et nous avons, bien sûr, la date de publication, c'est 1954. Alors, pour la deuxième question, d'après votre lecture de l'œuvre, associez chaque état du parcours de Abslem à ce qu'il peut représenter dans l'histoire. Alors, Adnan, le retour de Malem Abslem après un long voyage, Adnan, le voyage de Abslem aux environs de Fès, c'est la perte du capital dans une vente aux enchères et D, la situation prospère du ménage d'Abslam. Alors, les événements de résolution, le retour de l'équilibre, vous avez l'état initial et vous avez l'événement modificateur. Donc, essayons de rattacher chaque titre à l'étape qui lui correspond. Alors, Adna, le retour de Abslam après un long voyage. Le retour de Abslam après un long voyage. Adna, c'est le retour à l'équilibre. C'est le retour à l'équilibre parce que, bien sûr, Malem Abslam est parti travailler aux environs de la ville pour ramasser un peu d'argent et économiser un peu d'argent et revenir ou rouvrir son atelier. Alors, le voyage de Malem Abslem aux environs de Fès, c'est l'événement de résolution. Donc, c'est l'événement de résolution. Ouais, la perte du capital dans une vente aux enchères, c'est l'événement modificateur. C'est l'élément perturbateur. Ouais, la situation prospère du ménage de Malem Abslem, c'est l'état initial. Donc, Malem Abslem vivait très très bien avec sa famille avant de perdre le capital. Alors, des femmes venues des maisons mitoyennes manifestaient ainsi bruyamment la part qu'elles prenaient à notre joie. Quelle était l'occasion de cette joie? Bien sûr, il est clair. C'est le retour de Malem Abslam chez lui. Donc, toute cette joie est causée par le retour de Malem Abslam après un mois d'absence. Alors, répondez par vrai ou faux. Alors, pour la première question, pour la première phrase, les voisines réservent un accueil chaleureux à Malem Abslam. Est-ce que c'est vrai ou la faux? Bien sûr, c'est vrai. Abslam a une conversation avec Driss, son apprenti? Non. Driss n'est pas un apprenti. Driss, c'est un voisin. Gallic cite deux sujets sur lesquels porte la conversation de Driss et Abslam. Je crois qu'ils ont abordé plusieurs sujets, entre autres, dans la qualité des récoltes, les prix des denrées, le divorce de Moulay Al-Arabi ou les amis communs. Alors, dans sa réplique, Abslam parle de l'expérience de polygamie de Moulay Al-Arabi. On vous est dans du tableau suivant, distinguer les indices caractérisants. Regardez ce. Alors, la vie de Moulay Al-Arabi avant avec l'Aïcha. Qu'est-ce qui caractérisait la vie? C'est la tranquillité de l'âme, c'est la paix. Donc, il vivait tranquille avec sa première femme, l'Aïcha. Mais la vie de Moulay Al-Arabi avec la fille du coiffeur, bien sûr, a complètement changé. Alors, absence de tranquillité, de paix, vie amère. La vie est devenu amer pour le narrateur, pour Moulay Al-Arabi.
Alors, quel est l'intérêt de cette réplique? Quel est l'intérêt de cette réplique? C'est critiquer les hommes qui se marient à plusieurs femmes. Donc, les deux hommes sont contre la polygamie et, bien sûr, cette réplique va renforcer le point de vue de l'auteur qui est contre la polygamie. 7. En parlant de Moulay Larbi, Abslam émet son point de vue contre la polygamie. Approuve-t-il la conduite de Moulay Larbi? Bien sûr que non. Alors, quel argument avance-t-il à ce propos? Je crois que la polygamie est un fruit amer. Moulay Larbi a goûté aux fruits amers de l'expérience. Moulay Larbi a goûté aux fruits amers de l'expérience. La question, c'est quelle est la figure de style présente dans ce segment? Et bien sûr, la figure de style ici, c'est l'oxymore. À travers cette figure de style, Abslam, est-ce qu'il compare le mariage de Moulay Larbi, un fruit pour montrer son bonheur, ou l'a atténué l'échec de son deuxième mariage pour justifier son acte polygame, ou la met en valeur et insiste sur l'importance de son mariage, ou la montre l'opposition entre le bonheur souhaité et la réalité amère de son vécu, et c'est clair et net que c'est la dernière réponse, montre l'opposition entre le bonheur souhaité et la réalité amère de son. Vécu, c'est la bonne réponse. Alors pour la question 9, le narrateur répond présent à sa mère qui le charge de porter le plateau de thé à son père, s'acquitte de cette fonction sans dire non. Comment trouvez-vous ce comportement? Justifiez votre réponse en deux ou trois lignes. Donc, si Mohamed n'a pas refusé de porter le plateau, malgré qu'il est lourd et il va le porter, il va s'acquitter de cette fonction de manière très très correcte. Alors, voilà une réponse parmi d'autres. À mon avis, ce comportement est bon car les parents doivent responsabiliser les enfants pour les préparer à l'âge adulte. C'est une réponse parmi d'autres. Si vous avez une autre réponse, n'oubliez pas, n'hésitez pas à me la laisser dans le commentaire. Donc, باغي يدير واحد لا ريبونس ويخليها باش نشوفها مرحبا لا غاس والعين طبيعة الحال تمشي لا كيسيون 10 ابروفيفو ليدي د عبد السلام سولون لاكيل il est difficile qu'un homme et sa femme s'entendent. Justifiez en deux ou trois lignes votre point de vue. Alors, bien sûr, ma bien avage l'homme, tu crois, bzèf, diel, ma mère me dit de faire mouche, mouche à d'aïdi, bnisbalik, ou là, là, voilà une réponse. Parmi d'autres, bien sûr. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec Malem Abslam, qui dit qu'il est difficile qu'un homme et une femme s'entendent, car les femmes sont de nature instable. Alors, pour le sujet de production écrite, regardez, l'obéissance à ta, à ses parents, est le premier devoir de tout enfant, dit un écrivain. Le narrateur semble partager cet avis. Doit-on accepter certaines désobéissances de nos enfants ou au contraire les éduquer à nous obéir inconditionnellement? Doit-on accepter? Alors, وفائكم شكرا على بقائكم ما تنساوش دعموا القناة تخلي واحد القليب راح نبقاو دائما في خدمتكم ونعاود نذكر بأن دائما نهار السبت يكون لايف مع سعود ديال الليل هاد اللايف تكون بطلب من التلاميذ هما اللي تيحدوا المحتوى تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله